Salut à tous, c'est Absolu, j'espère que vous allez absolument bien, moi ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario Maker. Non. Du coup, on va faire des niveaux dans le monde. Bon, du coup, j'espère que déjà papa va me faire chier pendant la vidéo et j'espère qu'il n'y aura pas de panne de courant. Bon, je veux dire, il vente un peu dehors, mais ça va, mais je crois qu'il y a une tempête. Du coup, bon, voir la notification, je m'en fous. Bon, je vais aller voir, voilà, les niveaux. J'ai fait un niveau. Paradis ou enfer, théorie. Ah, c'est une grenouille. Ah, non, c'est une nouvelle théorie. Merde. Le pire, c'était ce niveau, je vais vous montrer. Le pire, faut qu'on attend que ça charge juste pour quitter. Scandaleux. S'ils font un Mario Maker Switch, j'espère qu'il n'y aura pas ce défaut. Donc, du coup, je vais quand même vous le montrer. Ce niveau. Je vais m'arrêter si je faisais une vidéo simplement sur mes niveaux. Ah, ce que je propose, on va faire mes niveaux dans cette vidéo. J'en ai fait plein. Je pousse pas. Non, je veux faire des vidéos en ligne. Non, des niveaux en ligne. Peut-être quelques fois mes niveaux. Bon, absolument, YouTube, abonne-toi. Avec un petit smiley. Bon, c'est juste un niveau auquel que. Voilà, c'est. Lisez le titre. Voilà, c'est genre. Ici, il y a des petits pièges avec le mot absolu. Le pire. Maxi Gamer a de la difficulté à ce niveau. Je suis genre, what the fuck, ce niveau est trop facile. Du coup, il y a Absolu, un checkpoint, le logo de YouTube, hein, pour qu'il aurait reconnu, avec le truc de flèche. Et bien sûr, ici, c'est écrit YouTube. Putain. C'est à ce moment que je réalise que je suis nul en vidéo. Pas pourquoi. Mais je vous jure, Maxi Gamer, il y a beaucoup galéré. Donc du coup, you, bon, je m'en fous de perdre une fleur, you, attends, il y a un moyen d'avoir des biens à finir en faisant simplement ça, mais bon, YouTube, ah, tu fais un saut là, et voilà, abonne-toi, voilà. Avec le petit smiley à la fin, bien sûr. Donc du coup, vu qu'il a été supprimé, donc je vais essayer de le refaire et de le remettre en ligne. Parce que bon, c'est vraiment nul la part de Nintendo, voilà, de jeter un travail dur fait à la poubelle. Du coup, allez, donc liste des niveaux en ligne, mondial normal, voilà, comme d'habitude. Salut, qui peut? On va essayer dans Super Papy de France. Ok, Super Papy, genre Papy Super Saiyan qui a ce mode là. Super Sonic. What? T'as un bloc caché. C'est sûr, il y a un bloc caché quelque part. Attends. Ouais, déjà, on voit que tout le monde est mort là. Attends, mais c'est peut-être possible en même temps de sauter comme ça. Attends, je vais essayer. Non, c'est pas possible. Bah, je dis. Si en ligne, ça veut dire que c'est possible, mais. La seule chose que je vois, c'est genre qu'il y aurait un bloc caché quelque part. Bon, bien sûr, je skip le niveau, vu que bon. On va pas rester coincé dans le même niveau, donc du coup. Allez. Bomb Factory de Miguel 2. Ça, je crois, c'est États-Unis. Je ne me trompe pas, ça, c'est le logo États-Unis. C'est bon, on fait juste les niveaux là de Mario Bros. Wii U. Ah! Putain. Ok, j'ai besoin d'un trampoline, je crois. Ouais, pour monter, ouais, faut jamais sur le canon. Allez, je prends le champignon. Je prends. Putain, la putain de bombe. Je prends ça. Voilà. D'accord, c'est juste genre, il y a plein de bombes partout, d'où le Bomb Factory, donc l'usine de bombes.
Ah putain. Ah non, il y avait une fleur de feu et une putain d'étoile. Merde. Que je propose, allez, après on fera quand même quelques-uns de mini-niveaux. Mais non! Mais non, ça compte pas ça. Mais non! Quand je vais prendre la trampoline, il y a une putain de bombe qui arrive et en plus, quand je me dis, ah bah y a pas de bombe, ça va. C'est là qu'il en ressort une putain d'autre, dès que je tombe. Ouais, Mario Maker, c'est pas juste des trucs cool, c'est. Nintendo, c'est pas juste des trucs cool, c'est aussi des trucs de merde. Et en plus, il y a des trucs cool qui avaient la putain de fleur. Pourquoi j'ai pas sauté? Oh là là, les gens. Quand je veux pas avoir mon skill Mario Maker de d'habitude, je l'ai pas. Bien sûr, c'est la Wii, sur la Wii U. Pas vraiment besoin de préciser, vu que bon, Mario Maker est seulement sur la Wii U. Pour l'instant, vu que je crois qu'il va avoir un sur Switch, d'après ce que j'avais vu hein, quelque part. Enfin, pas quelque part, je vous jure. Dans un like. Putain, est-ce que je vais au moins réussir à attraper cette putain de fleur? Voilà. D'accord, l'étoile m'a été inutile seulement pour attraper la putain de fleur. Ok, du coup, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, des fleurs de feu, putain. Ah, je vais la chercher. J'allais me dire non, elle va m'être inutile, mais finalement, non, elle va m'être utile. Allez, monte plus vite. Putain, j'espère. C'est bon, c'est la fin. C'est bon, on l'a eu. Ok, du coup, voilà, j'ai réussi le niveau. Un niveau facile, voilà, c'est juste que fallait. Fallait pas se peler, voilà, fallait être patient. Donc, du coup, allez, on va faire quelques-uns mini-niveaux, voilà. On va faire quelques-uns de mini-niveaux, quelques-uns des niveaux en ligne, voilà. Du coup, allez, rebon niveau, ou je fais juste des mini-niveaux, je sais pas, de toute façon, des niveaux Mario Maker. Du coup, ok, donc quel niveau qu'on va faire? En fait, je sais même plus. Ouais, je crois que j'avais montré des niveaux. Je crois que c'est juste des niveaux en ligne que j'avais montré. J'avais pas du tout montré les miens. Donc du coup, du coup, je sais pas du tout quel niveau faire. Mon premier niveau? Allez, vous voulez voir mon premier niveau Mario Maker? Je sais pas si je l'ai déjà montré, mais en tout cas, ça fait du bien quand même de le refaire. Je sais pas, ça doit faire. Ça doit s'approcher un petit peu d'un an, je crois que j'ai parfait de Mario Maker. Bah, pas d'un an, mais je dirais 6 mois, bah peut-être la moitié d'un an. Du coup, voilà, si je suis à flèche. Quand j'arrache, et ça, je fais. Du coup. Je veux pas rager. Ah, du coup, voilà, j'avais juste fait des trucs, voilà, random. Voilà, ma première fois du Mario Maker, je me suis dit, bon, je vais pas essayer de faire d'un truc vraiment incroyable. Et voilà, je me suis dit, attends, je peux mettre des costumes des mes amiibo. Donc, du coup, je vais mettre mon amiibo Mario, qui est l'un de mes premiers amiibo. Hein. Bah, mon avant. Mes premiers amiibo, c'était l'amiibo de Mario, Luigi et Pikachu. Ouais, la première fois que j'ai vraiment commencé à acheter des amiibo, ouais, c'était vraiment Mario, Luigi, Pikachu. En fait, ouais, je me suis dit bon. Ok, donc du coup, non, j'étais. Bon, c'est sûr, je prends Mario. Du coup, je prends lequel? Pikachu ou Luigi? Oh bah, tant pis, je prends ces trois-là. Ensuite, j'ai été dans un autre magasin et voilà. J'ai trouvé L de Bowser. Je me suis dit bon, je m'achète L Bowser. J'ai pris une vidéo, ma collection d'amiibo. En fait, j'hésite parce que je sais pas.
En fait, si j'aurais d'autres amiibo dans ma collection. Parce qu'en fait, exemple, l'amiibo Corinne, j'aimerais bien l'avoir. Et du coup, si je fais une vidéo ma collection d'amiibo, bah, ça gâche le truc. Bah, au pire, je fais une vidéo ma collection d'amiibo. Et si jamais j'ai de nouveaux amiibo, bah, je montrerai en vidéo, voilà. Juste au début d'une vidéo, voilà, voilà, cet amiibo là, rejoins ma collection, voilà, truc. Du coup, je crois qu'il faudra que je vais dans les niveaux qui n'ont jamais été en ligne, je crois. Exemple, le soutien, je crois, lui, il n'a jamais été en ligne. Bah, il me semble que j'avais juste montré eux que j'avais mis en ligne en vidéo. Voilà, eux qui n'est pas en ligne, je les ai jamais montrés. Lui, que je trouve qui est quand même dur. Quand il a du mal à le mettre en ligne. C'est pour ça que je déteste le fait qu'il nous enlève des niveaux de Mario Maker, voilà, juste parce qu'ils n'ont pas été assez populaires. Et ça cause que le temps est pas vraiment facilement comptable. Voilà, ce serait cool en fait, voilà. Qui pourrait pas supprimer les niveaux, mais au moins qui voilà, il limiterait un petit peu plus les niveaux, genre 5 par personne, comme ça, bah voilà. Le dur travail ne sera pas perdu. Au pire, tu peux essayer de leur. Non, c'est trop long. Le truc que tu peux faire, c'est voilà, c'est juste le garder pour toi, pour ton fun, mais ça, c'est dommage. Au pire, s'il aurait resté peut-être un petit peu plus longtemps, je suis sûr que certains niveaux auraient eu plus de popularité. Oui, ici, il faut faire attention. Voilà, il faut en tuer le plus possible, voilà, pour avoir la clé. Voilà, faut pas qu'il change. Non! Bah, tout tombe. Voilà, c'est juste un truc. Je me suis dit, attends, ça tombe dans la lave, tout là. C'est quand même une bonne idée de mettre. Mais ce niveau, c'est vrai, ça fait super longtemps que je les ai pas refaits. Disons, c'est vraiment rare que je joue à Mario Maker. Bah, c'est vrai, ça fait longtemps que je pas joué à Mario Maker. Putain. Et en plus, bah, à la base, quand je joue à Mario Maker, bah, c'est pour faire les niveaux en ligne, pas vraiment pour jouer au mien. Mais je me rappelle quand même de certains de mes niveaux. Genre, comment faire? Putain, bon, j'ai perdu Yoshi. Ah non, j'aurais. Putain, je suis con. Putain, allez, écraser. Écraser ce putain de sorcière, voilà. En fait, j'aurais pu simplement prendre ma boule de feu là où j'étais et lancer. Et voilà. Ah ouais, c'est pas si mal comme idée. Ah! Ok. Ouais, je crois que je prévois après cette vidéo peut-être filmer ma collection d'amiibo. Et ensuite peut-être. Je sais pas, peut-être un Mario Galaxy 2. J'ai changé mes trucs, voilà. Putain. Quand MaxiGamer va commencer New Mario Bros. New Super Mario Bros. Wii, sans Let's Play avec des cheats, bah moi je le ferai sans cheat, mais je vais peut-être attendre de finir Doki Doki avant. En fait, ah ouais, truc, je crois que je vous ai même pas raconté dans les anciennes vidéos. En fait, il y a un truc assez bizarre que ça avait passé. Genre, il y avait un truc que ça faisait peur, mais voilà. Là, je voulais le montrer en vidéo et en fait, j'avais mis. Ne pas supprimer. Voilà. Mais voilà. Je croyais que j'avais mis supprimer les données de sauvegarde. Donc, du coup, j'ai supprimé sans faire exprès mes données de sauvegarde. Et du coup, bah, je suis obligé de recommencer le jeu. Je sais me rendre où j'étais rendu dans mon let's play. J'étais rendu à. Quand ça commence à bugger. Moi, Yogi, on est en train de lire un livre. Voilà. Je me rends à cet endroit précisément. Donc. Du coup, je me fais poursuivre par des lacs qui tuent. D'accord, du coup, faut que je cours. Ah non, putain, je suis bâtard. J'ai genre mis des trucs en dans des plateformes roses. En. Putain, non! Bon, en tout cas, on a vu la fin du niveau. Voilà. Pendant cette vidéo, il y aura seulement pourquoi tout le long, voilà, que de mes niveaux. Niveau premier. Ah ouais, je me rappelle, on avait fait un concours de niveau. Le jour de ma fête, voilà, avec MaxiGamer901, OkFan 3007 et un autre de mes potes. Et qu'on faisait un concours, genre lui qui faisait le meilleur niveau Mario Maker.
Et celui-là était premier et celui-là devenait à qui l'a fait? C'était moi. Bah, moi j'avais remporté le prix du meilleur. Et j'avais fait en sorte que bah, le meilleur niveau allait se trouver en ligne. Que voilà, j'avais juste fait ça comme ça, voilà. Le niveau auquel qui arrivera en première place dans ce concours sera publié en ligne, donc du coup plusieurs personnes pourra y jouer. Et du coup je crois que celui-là bah il a été interdit de mise en ligne, je veux dire. Enfin, je veux dire voilà, il n'y a plus assez de popularité. Pourtant à ma fête c'est lui qui avait plus de popularité, hein. Je comprends pas Mario Maker. Du coup ouais faut que je monte. Du coup celui-là je me rappelle vraiment plus que j'ai fait en fait. Je me rappelle pourquoi je l'ai fait, voilà. Genre c'est quoi le niveau mais voilà. Genre comment le niveau est fait, je m'en rappelle plus. Ah d'accord. En fait ici voilà, c'était juste que voilà. J'avais pas d'aspiration pour la fin d'un niveau, sauf j'ai mis un buzzer et des plateformes n'importe où et n'importe quand. Voilà. La technique pour la fin des niveaux, quand vous êtes pressé. Ouais voilà. Il ne peut pas se retrouver en ligne. Du coup. Ouais, c'est Mario Maker, celui-là je crois que j'avais déjà montré si je me trompe pas. Rémi 3. Il est encore en ligne? Ah ça c'était lui qui était en troisième place dans le concours. Ok du coup. Du coup. Lui c'était lui qui était en deuxième. Fleur is lava. Allez, autant montrer Fleur is lava. Est-ce que je propose le dernier niveau de la vidéo? Voilà. Je vais juste faire genre ta Fleur is lava challenge, voilà, genre. Genre c'est juste un niveau de base auquel qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de fleurs, voilà, il n'y a pas de plancher, il n'y a pas de sol. Mais j'aurais dû faire ce genre d'un château Bowser, ça aurait été plus logique. Vu que The Fleur is Lava Challenge, c'est genre le sol est de la lave. Le sol, c'est pas de la lave, c'est juste qu'il n'y a pas de sol. Du coup, ici, voilà, c'est un truc où tu cours comme ça, voilà, Super Saiyan. Qu'est-ce que ça donne la fusion entre Sangoku, Super Saiyan et Super Sonic? Ça donne Mario étoile, voilà. Ouais, du coup, je suis tombé dans le vide. Inspiré par plusieurs vidéos trolls. Je sais pas ce que j'ai encore mon niveau automatique. Bah, j'avais essayé de faire un niveau automatique, mais ouais. Pas vraiment eu de succès. Non, je crois pas que je l'ai encore. Non, voilà, j'ai. Bah, j'ai. Il y a quand même quelques niveaux auxquels que j'avais supprimé, vu que bon, il n'y avait pas eu. Voilà, simplement je les aimais plus, voilà, j'aurais préféré voilà, les supprimer. Donc ce sera tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner au plus un pouce bleu, plus un commentaire, tout au plus de abonnez-vous si ce n'est pas fait, on se retrouve dans la prochaine vidéo, et bye!